Avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à te dire. Alors, la première, c'est que j'ai un Discord. Voilà, lien en description, n'hésite pas à rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que je stream sur Twitch de façon régulière tous les vendredis de 18h à 21h. Donc, n'hésite pas à passer, ça ferait super plaisir. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Invocation sur Sao Ub. Aujourd'hui les gens, le portail de Lisbeth, nous allons tenter ensemble la Lisbeth limitée. Donc avant toute chose les gens, si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire. Voilà, ça soutiendra énormément la vidéo et la chaîne, donc je compte sur vous les gens. Merci à tous ceux qui le font. Bref, nous sommes partis. Lisbeth, donc j'ai attendu quand même pas mal, hein. J'ai attendu pas mal de temps. Avec les singles, je pense que j'en ai raté une malheureusement, parce que je crois qu'il y avait 3 singles. Ouais, c'est ça, il y a 3 singles, donc j'en ai loupé une. My bad. Mais du coup, il y a le write-up aussi. Bon, le write-up est éclaté, hein, clairement, avec la Lisbeth Vent qui a eu un ex, certes, mais c'est un verso charge. Et la Lisbeth Terre qui a aussi un arbre ex, si je dis pas de bêtises, mais c'est un charge. Donc, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, on va tenter le portail de base. On va tenter le portail de base sur cette Lisbeth limitée. Je sais pas jusqu'où je vais aller. J'ai quand même 1900 cubes, c'est quand même assez énorme. J'espère la luck parce que bon, bah voilà, elle est pas ultra hypante cette Lisbeth. Mais c'est vrai que voilà, si on peut faire un step 1, ce serait magnifique. Mais bon, on va voir. On va voir après le reste des persos ténèbres, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est disons que je. Alors, je les ai pas tous. C'est vrai que le regard au loin de Kirito, je l'ai pas, mais il m'intéresse pas. Hein. Clairement, il est pas ouf. Ah, vraiment, il est pas ouf. Il est pas ouf du tout, hein, les gens. D'ailleurs, personne ténèbre, hein, les gens, si vous voulez, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo tier list qui retrace tous les personnes ténèbres sortis. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour votre culture. Bref, nous sommes partis. Allez, let's go. Donc, step 1 à moins 50, comme d'hab, hein, vous savez. Vous connaissez les bases. Et du coup, on aura le step 2 aussi à moins 50. Donc, allez, on croise les doigts. On espère la luck. On commence avec un toucher l'écran bronze. Donc, pas ouf. R3, ok. Ah, attendez, excusez-moi, ça lag un petit peu. Hop, tac, tac. Voilà. Ok. Oh, mais mes orbes ont disparu. J'ai fait le bug avec les orbes. Igom. Allez. Il y a une porte R3, les gens. Petit espoir. Linel. Alicia. Allez, s'il te plaît, fais plaisir. Jink. Là où il faut de l'ascenseur. Si une. Allez, please. Ça pue. Ah, beaucoup de R2, je trouve. Beaucoup de R2 à mon goût. Hein. YOLO. Ah, Eugène. Putain. Oh, Golgoroso, 3ème R3. Oh, 4ème R3, vas-y, dommage. Oh, dommage, quoi. Vraiment dommage. Allez. Lisbeth, 2ème step. Le premier n'est pas passé. J'aimerais au moins, si je peux le dropper au step 3, ça serait bien, quoi. Si je vais plus loin que ça, ça fait chier. Hein. Toucher l'écran bronze. On va dire que ça rééquilibre avec Silica, mais ah, fait chier, dommage. Quoi. Step 1 là, qui est pas passé. Step 2. Oh! Oh, je crois que c'est elle. Oh, je crois que c'est la bonne. Oh, je crois que c'est la bonne. J'ai pas eu le temps de voir. Déjà, je sais que c'est Lisbeth, ça c'est sûr. Vous l'avez vu aussi. Mais je crois que c'est elle. Normalement, c'est elle. C'est le cas. Normalement, c'est elle. Attention, Rosalia. Attention, attention. Ah, oui, il faut de l'ascenseur. Je crois que c'est elle. Ouais, let's go. Let's go, le step 2. Ok, cool. Ok, c'est good. Le step 2. Bon, bah, ça va, ça fait plaisir. Ouf, let's go, elle a parlé. La waifu a parlé. Step 2 sur la Lisbeth. D'ailleurs, on peut récupérer un doublon avec le ranking. Bon, malheureusement, Silica, on s'est fait niquer. Hein. On n'a pas de doublon. On n'a pas eu de doublon gratuit sur la Silica. Mais let's go ça. Step 2 Lisbeth. Ok, cool. Ah, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je voulais pas aller trop loin avec elle. Je voulais pas aller trop loin parce que ça aurait fait chier quand même. En termes de hype, en termes de tout ça, quoi. Donc, excellent. Excellent, excellent. Alicia. Le Kibao. Et Azurika. On n'aura pas de doublon. Ouais. On n'aura pas de doublon. Nice ça. Mais au moins c'est fait. Cool. On conserve encore 1700 cubes. Très bien.
Très très bien. 250 cubes pour Lisbeth. Je signe. Non, vraiment, je signe. C'est très très bien. Comme ça, je vais pouvoir remplacer Shaita. D'ailleurs, c'est vrai, les gens, j'ai pris. J'ai pris la masse de Lisbeth, hein, comme prévu. J'ai pris l'arme. Et du coup, assez intéressant. Assez intéressant au niveau de l'arme, les gens, très très intéressant ce que ça donne. Attaque augmente de 15% et la défense augmente de 30%. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est Lisbeth qui va devoir tanker les dégâts, donc c'est vraiment sympa. Bon, bah là, je vais devoir farmer son armure classique. Voilà, j'ai pas encore farm son armure. Faut jouer un nombre de fois avec Lisbeth, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Enfin, j'ai pas encore eu le temps et la motif de le faire. Shaita Ténèbres. Ah, c'est là. Voilà, on va prendre ça. Donc ça, c'est good. Ça, c'est good. Par contre, le ranking, je l'ai farmé. Le ranking, j'ai farmé un peu, donc j'ai récupéré son doublon. Donc ça, c'est bien. Lisbeth, hein, grosse nuqueuse, donc ça, c'est plutôt bien. Ça fait plaisir. Ouais. Aidis. Est-ce que je peux prendre encore un puissance à quelqu'un? Non, je pense pas, j'en ai plus. Ah. Ouais, j'en ai plus. Bon, on va prendre un speed, alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors on va la monter. On va la monter ensemble. Tac. Ah, j'ai peut-être plus assez. Oh putain, ouais, j'ai plus grand chose. Oh, j'ai plus grand chose en ténèbres là, c'est terrible. C'est terrible. Et niveau cristaux? Ah, 1003 ça baisse, hein. 1003 ça baisse fort quand même, hein. Ça baisse. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même 3003 de côté. On est encore bien. Non mais franchement, c'est cool. C'est cool d'avoir droppé Lisbeth step 2. Ça fait plaisir. Je sais pas si je vais avoir assez de livres pour la monter avec vous les gens. Je crois que je suis un peu... c'est un peu la S, malheureusement. C'est un peu la S, j'avoue. Ouais, 93, bon, c'est pas grave, on va utiliser les neutres. Les neutres, on en a beaucoup, donc ça, c'est bien. À cause des divers portails. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on va monter les compétences, est-ce qu'on peut ou pas. On peut, cool. Parfait. Ah, tiens, il y a quand même pas mal, hein. Guard break... Ouais, l'arbre de compétences, il y en a quand même pas mal. 7006. Ah ouais, pas mal. 7006 au level 100. Ah, c'est vrai que j'ai 600 lunes ténèbres. Il va falloir essayer de monter quelqu'un. Bon, je sais pas trop hein, qui monter, honnêtement. Même si c'est vrai que... Silica, Lisbeth, ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être quand même deux persos intéressants à monter, hein, mine de rien. Mais bon, bah écoutez, voilà, ce fut court mais intense, on va dire. Ce fut court mais intense, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite invocation. Donc voilà, Lisbeth est obtenue, Silica aussi. Maintenant, on va patienter tranquillement le mois de juin pour voir le prochain perso. Prochain perso qui, à ce qui paraît, serait peut-être Yuna. On verra bien, écoutez. C'est l'avenir qui nous le dira. Donc bah écoutez, les gens, si la vidéo vous a plu à la fin... Enfin, si elle vous a plu, pardon, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendra énormément la chaîne. Donc, je compte sur vous, les gens. Et du coup, bah, à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye tout le monde.